Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. L'actualité ivoirienne est marquée par le retour de plus de 100 ex-ILEX, forces de défense et de sécurité. Ils ont été reçus par le ministre auprès du président de la République chargé de la défense, Paul Kofi. Reportage, Léon Broukwamé. Ils sont 105 au total à se présenter au ministre en charge de la défense, Paul Kofi Kofi, ce mardi. Eux, ce sont des éléments des ex-forces de défense et de sécurité, notamment des militaires et des policiers qui ont quitté le pays à la suite de la crise post-électorale. Ils disent répondre à l'appel du président Alassane Ouattara pour servir de nouveau la Côte d'Ivoire. Je suis vraiment très content aujourd'hui parce que je ne savais pas, en tout cas je ne croyais pas à ce qui s'est passé aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays, donc nous sommes là pour reprendre le service. Le gouvernement nous a appelés. Je lance en même temps un appel à mes frères d'armes qui sont encore dans les villages, dans les autres pays, qu'ils viennent pour reprendre le service. La quiétude de ces militaires repose sur les assurances que leur a données le ministre Paul Kofi Kofi au nom du président de la République, chef suprême des armées. Le président de la République a été très clair, pas de poursuite judiciaire, même pas de sanctions, n'est-ce pas, au niveau de la hiérarchie militaire. Évidemment, ils vont suivre la procédure militaire quand on revient de longs séjours et ils vont engager les procédures administratives de réintégration, c'est-à-dire reprise en solde, reprise des baux, ceux qui avaient des baux, et aussi affectation dans les corps. Donc tout cela va être fait d'ici un mois. De plus, Paul Kofi Kofi a expliqué que les premiers militaires exilés à rentrer au pays travaillent déjà dans l'armée, en prenant l'exemple de plusieurs sous-officiers et officiers, dont le colonel-major Boniface Conan, actuellement en formation en Chine. Séance tenante, le ministre en charge de la Défense a donné instruction à ses plus proches collaborateurs. Il s'agit d'entamer la procédure de réintégration de ces militaires qui rentrent de pays voisins pour porter à 150 le nombre d'exilés militaires à répondre à l'ultimatum lancé par le chef de l'État il y a environ un mois. Hors de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, plusieurs figures du parti du président Blaise Compaoré, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, ont présenté leur démission de ce parti. Pour les responsables de ce parti, le départ n'ébranle pas le CDP. Les démissionnaires, eux, entendent rejoindre l'opposition pour protester contre la modification de la Constitution. Au Bénin, un appel à la grève générale a été lancé par plusieurs syndicats. Ce mouvement de 48 heures veut interpeller le gouvernement sur le climat sociopolitique, notamment après la répression d'une manifestation fin décembre dernier. À Addis Abeba, les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu au Soudan du Sud progressent lentement. Un accord a été trouvé lundi sur la modalité du dialogue, mais les discussions directes et officiels n'ont duré que la matinée. L'équipe de médiation s'est rendue à Djouba pour rencontrer le président Salva Kiir et tenter de le convaincre de libérer les prisonniers politiques accusés d'avoir fomenté un coup d'État la mi-décembre. Ce point constitue ainsi le principal blocage des négociations qui ne pourront pas progresser tant qu'il n'aura pas été résolu. Hors du continent aux États-Unis d'Amérique, le froid continue de s'abattre sur le pays. Le Canada est même touché. Cela faisait 20 ans que les Américains n'avaient pas vu ça. Des températures ressenties jusqu'à moins 53 degrés. De quoi désorganiser une bonne partie du pays. C'est mon fils. J'essaie de l'aider à dégager la voiture. On gèle les yeux, le nez, la bouche, tout gèle. Cette vague de froid descend du cercle arctique. Elle frappe le nord, le centre et l'est du pays. Le Canada n'est pas épargné, mais c'est aux États-Unis que la surprise est la plus grande. Des États du Sud, comme l'Alabama et le Tennessee, voient leurs récoltes et leur bétail menacés. Dans certaines régions, les autorités demandent aux habitants de ne pas bouger de chez eux. De nombreuses écoles restent fermées. Dans l'Illinois, l'état d'urgence a été déclaré. Nous sommes en train de déployer tous les moyens de l'Illinois pour aider la population qui fait face à des situations difficiles et parfois dangereuses. Il n'y a pas que le froid. Il y a aussi le verglas et les risques de dérapage sur nos routes. Cela rend la circulation très dangereuse. Les routes, les voici.
Qu'il s'agisse des grands axes autour des villes ou des chemins de campagne, tout tourne au ralenti. Dans les aéroports, le fioul gèle au bord des pistes. Plus de 4000 vols ont été annulés, près de 7000 retardés. Un cauchemar pour les passagers qui ne parviennent pas à rentrer chez eux après les vacances de Noël. On m'a déposé ici à 6h30 du matin, samedi. Et quand je suis allée au comptoir, vous voyez, ils m'ont dit que tous les vols vers ma destination étaient annulés. La situation devrait s'améliorer d'ici vendredi. En une semaine, cette vague de froid a tué 12 personnes aux États-Unis. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.